retrouvons donc Maëlys en direct du salon étudiant. Oui, et je suis avec Louise qui vient nous présenter une CPGE littéraire. Oui, merci Maëlys. Bonjour Monsieur Yu Inou, vous êtes étudiant au sein des CPGE littéraires du lycée La Pérouse-Kérichène, qui est une prépa littéraire à Brest. Pouvez-vous vous expliquer la formation, s'il vous plaît? Avec plaisir. Alors rapidement, je ne suis pas étudiant, je suis enseignant, professeur d'histoire, ce n'est pas grave. Donc, la classe préparatoire grande école de type littéraire de mon lycée est une formation en 2 ans. La première année, on appelle ça l'hypocagne, la deuxième année, on appelle ça la cagne. Et ça permet d'obtenir une formation de type Bac plus 2, L2. Et à l'issue de cette formation de 2 ans, d'intégrer une grande école, une école de journalisme, de sciences politiques. C'est très varié. Et quels sont les critères d'admission? Alors les critères d'admission se font via Parcoursup. C'est une sélection sur dossier. Comme c'est une classe préparatoire littéraire, nous regardons les résultats dans les disciplines littéraires de première et de terminale. Et comme nous recherchons des étudiants motivés, nous lisons tous les commentaires de tous les professeurs dans toutes les disciplines de lycée, EPS, maths, etc. Puisque nous recherchons des commentaires positifs sur ces lycéens qui veulent entrer dans notre formation. Je vous invite juste à vous rapprocher un tout petit peu de votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vers quelle école votre prépa ouvre-t-elle ses portes? Alors, la classe prépa littéraire a une particularité, ça ouvre à de très nombreuses grandes écoles. Ça peut être des écoles de journalisme, comme le CELSA de Paris, des écoles type Sciences Po Rennes, Sciences Po Lille, etc. Les écoles normales supérieures de Paris-Saclay, de Paris ou de Lyon, mais aussi des écoles de commerce, l'école du Louvre à Paris. C'est vraiment très varié en réalité. Et quelle est la moyenne de nombre d'élèves par classe? Alors, nous avons 2 classes de première année et 2 classes de deuxième année. Chaque classe, c'est autour d'une 40aine d'élèves. Voilà, ça varie un peu selon le nombre de demandes, de dossiers que nous recevons chaque année. Quelle est la charge, pardon, de travail par élève? Alors, il y a une idée reçue disant qu'en prépa, on travaille beaucoup, beaucoup trop. En réalité, ce n'est pas tout à fait ça. À savoir qu'en première ou en terminale, l'emploi du temps d'un lycéen, c'est 30 heures à peu près. En classe préparatoire littéraire, l'emploi du temps, c'est seulement 27 heures, donc c'est moins. Par contre, en termes de travail personnel, c'est plus. Je m'explique. En lycée, par exemple, 1 heure de cours, eh bien, le soir, on peut réviser en 10 minutes, éventuellement. Je simplifie. Par contre, en classe préparatoire littéraire, 1 heure de cours égale au moins 30 minutes de travail personnel le soir. Ça aboutit à une semaine de travail de 40-45 heures, ce qui est logique puisque nous préparons nos étudiants à la vie active. Et dans la vie active, en général, on a un métier qui propose, on va dire, une bonne quarantaine d'heures de travail par semaine. Et quels sont les atouts que propose votre établissement? Alors, notre atout, c'est triple, on va dire. D'abord, c'est de laisser 2 ans pour laisser à nos étudiants le temps d'affiner leur projet professionnel. On ne sait pas forcément ce qu'on veut faire quand on passe le bac. Là, on a 2 ans pour réfléchir. Comme c'est généraliste, on ne se ferme aucun débouché. On peut s'orienter aussi bien vers les langues que vers les sciences politiques, vers le commerce, etc. Et enfin, le troisième atout, c'est que ça oriente vers ce qu'on appelle des grandes écoles, des écoles reconnues au niveau national et international qui permettent d'obtenir un diplôme de niveau Bac plus 5, niveau master. Donc c'est la voie d'entrée dans le monde du travail de nos jours. Et quel est le coût annuel pour la formation? C'est une école publique. Ça signifie qu'on paye pour entrer en classe préparatoire chaque année exactement comme si on était à la fac. C'est-à-dire autour de 170 euros, un peu plus, selon les années. D'accord. Et excusez-moi. Quelle est la date de vos portes ouvertes et comment on peut vous contacter? Alors, on peut nous contacter par divers moyens. Nous avons un compte Twitter, nous avons le site du lycée La Pérouse-Kérichène. Nous avons évidemment un secrétariat qui peut répondre aux coups de fil, aux emails. Nous avons enfin des portes ouvertes qui sont ouvertes le samedi 5 mars, voilà, 2023. Merci Monsieur Louis Inou, qui est, je le rappelle, enseignant au sein des CPGE littéraires du lycée La Pérouse-Kérichène, qui est une prépa littéraire à Brest. Et merci beaucoup à vous. Et donc n'hésitez pas effectivement à vous renseigner sur cette prépa si cela vous intéresse. Merci beaucoup Maëlys. On fait une petite pause dans nos interviews, une petite pause musicale, puisqu'on écoute Tout oublié de Angèle en feat avec Roméo Elis.